Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette petite capsule pour une petite explication sur le tarot, la sagesse des anges, qui est un magnifique tarot de Valentine Radlegg. On y retrouve la structure de base, n'est-ce pas, en 5 suites, et les deux sections principales qui sont appelées arcane mineur et arcane majeur, mais ça vous connaissez déjà. Alors, petite question, savez-vous ce que signifie le mot arcane? Eh bien, cela signifie mystère. On parle ici des moyens miraculeux et mystérieux par lesquels, l'univers apporte de la magie dans nos vies, n'est-ce pas? Et les arcanes majeurs forment à eux seuls une suite composée de 22 cartes, où certains appellent aussi des lames et qui se concentrent plutôt sur les événements majeurs de la vie. Et nous avons les arcanes mineurs qui se composent de 4 suites, comme dans le tarot ordinaire, n'est-ce pas? Et les arcanes mineurs ont tendance, à refléter les activités au quotidien de la vie. Traditionnellement, les suites des arcanes mineurs sont appelées bâton, coupe, épée et denier. Ici, Valentine a remplacé les anciens noms par les 4 éléments, c'est-à-dire le feu pour les bâtons, l'eau pour les coupes, l'air pour les épées et la terre pour les deniers. Et chaque suite est composée de 10 cartes numérotées, de l'as au 10 et de 4 cartes habillées qui sont évidemment les valets, cavaliers, dames et rois. Et chacune fait référence à une personne, une situation ou bien vous-même, n'est-ce pas? Chaque suite a des domaines particuliers. La suite de feu parle de créativité, de passion et de carrière. Par contre, la suite d'eau est liée, elle, aux émotions et à l'intuition. La suite d'air, elle est pour sa part associée à l'intellect et elle peut également refléter nos inquiétudes et nos peurs, le mental ayant souvent un esprit tendance à se concentrer sur le négatif, n'est-ce pas? Certains d'entre vous vont se reconnaître. Et enfin, on a la suite de terre qui parle des aspects matériels de l'existence, comme l'état des finances ou les moyens de gagner sa vie et de subvenir aux besoins de la famille. La particularité de ce tarot est que chaque carte est associée à un archange qui apparaît ou non, n'est-ce pas, sur l'image. Et sur les arcanes mineurs apparaît un numéro qui représente l'arcane majeur du tarot. Voilà cette petite explication. Prenez soin de vous dans la douceur. À tout bientôt. Beau matin à toutes et tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine. Nous sommes lundi 15 avril 2024. Comment avez-vous passé votre week-end? Bien, j'espère, et j'espère que vous allez toutes et tous bien. Nous allons continuer avec la sagesse des anges, ce magnifique tarot de Radlegg Valentine. Et avant de commencer, on aura la petite philosophie du matin et puis l'affirmation positive pour terminer cette capsule.
L'affirmation positive, non, la petite philosophie du matin, eh bien, nager dans le sens du courant. Mieux vaut parfois nager dans le sens du courant, même si ce n'est pas vraiment la direction que l'on souhaitait prendre, plutôt que de s'obstiner et de gaspiller son énergie dans un combat perdu d'avance. Eh bien voilà la petite pensée positive pour être heureux tous les jours de notre vie, n'est-ce pas? Aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé le cavalier de terre et nous sommes dans la suite de terre. Ça parle des aspects matériels de l'existence, comme par exemple l'état des finances. Nous avons la suite de terre, ça veut dire que c'est les deniers dans le tarot traditionnel. Et elle se concentre sur les moyens de gagner sa vie, de payer les factures et de subvenir aux besoins de la famille. Elle évoque aussi les activités quotidiennes, le travail et la quête de sécurité financière. Alors que les trois premières suites parlent de choses qui viennent souvent de l'intérieur, c'est-à-dire la passion, émotion et les idées, eh bien la suite de terre ne s'intéresse qu'à ce qui est extérieur. Société, communauté et santé physique sont représentées par ces cartes. Alors cette suite de terre, elle est aussi très soucieuse de l'environnement et des moyens de prendre soin, eh bien, de notre belle terre-mère, de notre belle planète, n'est-ce pas? Il est important qu'on prenne soin de notre planète. J'ai pigé le cavalier de terre. Alors, je pense que nous avons terminé l'élaboration des plans A et B. Commençons à travailler sur le plan C. Très bien. Est-ce que ça parle à certains d'entre vous? Alors, en tant que cavalier de terre, eh bien, vous êtes, pour certains d'entre vous, fidèle, dévoué, protecteur, charmant et infiniment patient, car vous savez que les autres auront besoin de se montrer patients avec vous aussi, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que vous êtes patient avec les autres. Vous avez un grand cœur et vous avez l'esprit très vif, même si vous n'êtes pas nécessairement bavard. D'une façon agréable, souvent même charmante, eh bien, vous dites ce qui doit être dit. Vous ne mâchez pas vos mots. Votre esprit est comme un piège en acier. Aucun détail ne vous échappe. Vous avez, eh bien, une vision globale. Et cela ne fait aucun doute, n'est-ce pas? Vous êtes surtout parfaitement conscient de chaque étape du processus qui vous conduira au succès. Eh bien voilà. Alors, qu'en est-il? Eh bien, cette carte, elle vous invite à déployer vos ailes, à déployer cette belle énergie en étant vous-même la personne sérieuse et robuste sur qui votre entourage peut s'appuyer. Et pour atteindre vos objectifs, n'est-ce pas, creusez votre sillon à votre rythme, mais d'une façon régulière, sans compliquer inutilement les choses. Il est possible d'ailleurs que vous n'ayez rien à changer du tout à vos habitudes ni à ce que vous faites. Alors, à ce moment-là, soyez prêt à aller au bout de vos projets, n'est-ce pas? Le cavalier de terre, lui, ne s'arrête pas en cours de route. Donc, vous ne devez pas
vous arrêtez en cours de route. Ce beau cavalier de terre, il vous invite aussi également à faire preuve d'esprit pratique, de réalisme et d'agilité. Il conseille, eh bien, d'investir vos ressources, c'est-à-dire argent, le temps, l'énergie, la compétence, dans le domaine le plus porteur, celui qui vous permettra d'obtenir ainsi un solide retour sur un investissement. Alors il vous invite aussi à planifier, à ordonner et à penser aux moindres détails pour ne pas faire les choses à moitié et assurer votre succès. Donc, vous avez fait le plan A, le plan B, il est temps de passer au plan C. Vraiment, déployez vos ailes. Déployez cette belle énergie que vous avez en vous. Vous savez, le cavalier de terre, malgré son caractère adolescent, il fait preuve d'une grande maturité. Et il a le sens ainsi des responsabilités et il s'investit pleinement dans cet âge. Donc, vous allez faire pareil, n'est-ce pas? Mais évidemment. Évidemment. Alors, qu'est-ce qui vous reste à faire? Prendre votre projet et le terminer. Et surtout, ne vous arrêtez pas. Côté amoureux, qu'est-ce qu'on peut dire côté amoureux? Qu'est-ce qu'on peut dire au point de vue amoureux? Si vous êtes en couple, ben soyez la personne sur qui votre partenaire peut compter. Soyez prêt à travailler sur votre relation, comme vous le feriez sur un projet. Et prévoyez du temps l'un pour l'autre, surtout si vous avez le sentiment que votre couple est entré dans une routine qui vous satisfait de moins en moins. Donc faites en sorte de quitter cette routine. Soyez créatif dans votre couple. Pour d'autres, si vous êtes en recherche d'un partenaire, eh bien, on vous invite à utiliser les bonnes vieilles recettes qui, on peut le dire, ont fait leur preuve et de les utiliser avec régularité. Faire des rencontres est un objectif comme un autre, alors mettez votre esprit, c'est-à-dire pratico-pratique, n'est-ce pas, à l'œuvre pour rencontrer des personnes qui vous correspondent. Sortez de chez vous, ne restez pas chez vous, sortez, allez boire un verre à une terrasse, faites des activités extérieures pour rencontrer, parce que si vous restez chez vous, eh bien vous ne rencontrerez personne. Et si vous recherchez une relation stable, eh bien repérez les personnes dans votre vie qui sont alentour de vous, peut-être, qui sont patients, qui sont travailleurs et dignes de confiance. Hein? Vous manquez peut-être d'aisance, mais n'hésitez pas à vous investir dans une relation et attirer à vous ce que vous êtes. N'attirez pas à vous ce que vous n'êtes pas, ce que vous ne désirez pas et ce que vous ne désirez plus. Donc voilà, côté sentimental. On termine avec l'affirmation positive et aujourd'hui j'ai pigé, je mérite de ressentir de la joie, du bonheur et de l'amour. Eh bien oui, quelle belle affirmation positive pour terminer cette capsule, pour terminer ce lundi 15 avril. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien et moi je vous embrasse.
À demain.